Donc, mon nom c'est Anas Manouzi, je suis un résident en cardiologie pédiatrique à l'Université de Colombie-Britannique. Ça fait 5 ans que je suis à Vancouver et je viens du Québec. La cardiologie, c'est la spécialité des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a la cardiologie adulte et la cardiologie pédiatrique qui est ma spécialité. Et ça couvre différentes maladies comme l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. Et chez les enfants, on a des malformations cardiaques congénitales qui est la majorité de nos patients. Important d'en parler dès le tout début. Il faut surtout que les étudiants aient l'esprit ouvert. Au début de ma formation, je voulais être psychiatre. C'était ma niche et maintenant, je vais être cardiologue pédiatre. Oui, bien entendu. Donc, il y a 3 facultés de médecine francophones au Canada. Donc, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval à Québec et l'Université de Montréal. Oui, absolument. Donc, je fais ce travail pour rendre service à la population. Donc, j'aimerais pouvoir rendre service aux populations qui parlent en français, peu importe où elles se trouvent. Mon conseil, ce serait de ne pas prendre de décisions trop rapides, de prendre le temps de découvrir différentes spécialités, différents milieux, c'est un milieu urbain, c'est un milieu rural, dans différentes provinces, de faire des stages à l'étranger, de voir un peu ce qui se fait. Lavez-vous les mains. Donc la vaccination chez les enfants, malheureusement, on considère que c'est un peu inutile maintenant. On voit, surtout en Colombie-Britannique, une très grande portion de la population qui ne vaccine pas leurs enfants parce qu'ils pensent que ce n'est pas important. C'est une erreur grave et on voit à chaque année à l'hôpital des enfants qui décèdent à cause de maladies qui auraient pu être évitées. Donc, vaccinez vos enfants.